Bonjour chers élèves et bienvenue. Dragi učenici, dobrodošli na sat francuskog jezika za osmi razred. Je m'appelle Daniela Radić et aujourd'hui nous allons parler des sports populaires. C'est parti! U današnjoj lekciji bavit ćemo se popularnim sportovima. Nakon što prođemo nove riječi i izraze, pročitat ćete kratke tekstove o sportovima na Learning Apps aplikaciji te im pridružiti odgovarajući naziv sporta. Također ćete pogledati jedan video zapis o popularnim sportovima u Francuskoj te odgovoriti na pitanja za razumijevanje. Na kraju ćete u bilježnicu napisati odgovore na nekoliko pitanja o vašim sportskim navikama te omiljenim sportovima i sportašima. Pour cette leçon, il faut avoir un ordinateur, une tablette ou un portable, un accès à l'internet, un scanner QR code. Un cahier, un crayon. Ce qui est important est ce que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Ono što je bitno, možete zaustaviti i ponovno pokrenuti ovu video lekciju u svakom trenutku. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui nous allons parler des sports populaires. Que pensez-vous? Quels sont les sports les plus populaires dans le monde? Što mislite? Quels sont les plus sportovi na svijetu? Écrivez dans vos cahiers votre liste de 5 sports les plus populaires. Napišite u vaše bilježnice vašu listu 5 najpopularnijih sportova. N'oubliez pas d'écrire l'article défini devant le nom de sport. Nemojte zaboraviti napisati određeni član, le ili la, ispred naziva sporta. Sada zaustavite snimku i napišite popis u bilježnicu. Selon info.fr et fr.blastingnews.com, voici la liste des sports les plus populaires dans le monde entier. Prema web stranicama info.fr i fr.blastingnews.com, evo popis najpopularnijih sportova na svijetu. Comparez-la à votre. Usporedite je s vašom. Sans surprise, le football est le sport le plus populaire du monde. Bez sumnje, nogomet je najpopularniji sport na svijetu. Le basketball est à la deuxième place. Le hockey et le hockey sur gazon occupent la troisième place. Na trećem mjestu su hokej i hokej na travi. À la quatrième place, le cricket. Na četvrtom mjestu kriket. Et finalement, le tennis à la cinquième place. Est-ce que votre liste est similaire à celui-là? Tout d'abord, nous allons réviser le vocabulaire de sport, mais aussi apprendre de nouvelles expressions. On dit « jouer au sport d'équipe », souvent avec une balle ou un ballon, par exemple. Il joue au football, nous jouons au basketball. Il joue au tennis. Faire du sport est bon pour la santé. Baviti se sportom je dobro za zdravlje. Je fais du sport régulièrement. Redovito se bavim sportom. Vous faites du judo. Pratiquer un sport znači trenirati neki sport. Mon ami pratique le hockey. Quand on joue au sport, il faut respecter les règles du jeu. Kad igramo neki sport, treba poštovati pravila igre. Lancer un ballon znači baciti loptu. Marquer des points ou marquer un but, znači osvojiti ili postići bodove i golove. Un terrain de sport, c'est une surface de jeu utilisée pour divers sports. Teren, sportski teren, to je površina koja se koristi za različite sportove. Un terrain en herbe, terrain de football, cricket, etc. Travnati teren je teren za nogomet, kriket itd. Može se još koristiti naziv un gazon, pelouse ou pelouse artificielle, dakle travnati ili umjetna trava. Teniski teren naziva se un court de tennis. Le jeu de pomme, c'est l'ancêtre de tous les sports à raquettes comme le badminton, le tennis, le squash. Svi sportovi koji koriste reket potječu od tradicionalne stare igre koja se igrala i u srednjem vijeku u Francuskoj, le jeu de pomme. Zove se tako zbog toga što se igrala dlanom. Još jedna riječ koja je bitna za tenis, to je le filet de tennis, to je dakle teniska mreža.
Quand on joue au basket ou basketball, il faut lancer un ballon dans un panier de basket ou un cerceau. Vous savez probablement ce que c'est un but de football. Et cela, c'est une batte de cricket ou un bâton. Est-ce que vous êtes un supporter ou une supportrice de l'équipe de Croatie de football? Un supporter ou une supportrice, ça signifie aussi un ou une fan d'un sport. Dakle, jeste li navijač ili navijačica Hrvatske nogometne reprezentacije? Znate li ovaj izraz? L'équipe adverse ou l'équipe opposée, c'est l'autre équipe. Kako kažemo to na hrvatskom? Protivnički tim, tako je. Quelle place l'équipe de Croatie a-t-elle remportée à la Coupe du Monde en Russie 2018? Ovaj odgovor sigurno znate. Koje mjesto je osvojila hrvatska reprezentacija na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018? Elle a remporté la deuxième place, c'est vrai. Maintenant, vous êtes prêts pour l'activité 1. Lisez les textes sur les sports populaires et trouvez les pairs. Sada ste spremni za prvu aktivnost. Pročitajte tekstove o popularnim sportovima i pronađite parove. Aktivnosti na Learning Apps možete pristupiti putem poveznice bit.ly/activite-sport.s ili očitavanjem QR koda. Ukoliko imate disleksiju, možda će vam biti teško odraditi ovu aktivnost zbog toga što su slova dosta sitna na Learning Apps, pa odaberite drugu poveznicu bit.ly/activite-1d ili očitajte QR kod koji se nalazi ispod navedene poveznice. Tu se nalazi tekst kojeg možete povećati. Sada možete pauzirati video. Les Français pratiquent un sport au moins une fois par semaine. Francuzi treniraju, to jest bave se nekim sportom, najmanje jedan put tjedno. Ils font du sport pour plaisir, mais aussi pour être en forme et pour avoir une bonne santé. Bave se sportom iz zadovoljstva, ali također da bi bili u formi i imali dobro zdravlje. Le sport le plus populaire en France, c'est le football. Mais les Français aiment aussi un sport traditionnel, c'est la pétanque. Ce sport est aussi populaire en Croatie, particulièrement en Dalmatie. To su balote ili boce, to jest bočanje. Deux équipes jouent. Chaque joueur a trois boules en métal. Le cochonnet est une petite boule lancée au début de la partie. Maintenant, faites l'activité 2. Regardez la vidéo et répondez aux questions sur les sports populaires en France. Pogledajte video i odgovorite na pitanja o popularnim sportovima u Francuskoj. Aktivnosti možete pristupiti putem poveznice bit.ly/videosport.s/populaires ili očitavanjem QR koda. Sada možete zaustaviti snimku i pogledati video. J'espère que vous n'avez pas eu de problème avec le quiz vidéo. Nadam se da niste imali problema s video kvizom. Maintenant, répondez aux questions suivantes dans votre cahier. Sada odgovorite na sljedeća pitanja u vašu bilježnicu. Est-ce que vous faites du sport? Bavite li se sportom? Ako se bavite, quel sport pratiquez-vous? Koji sport trenirate? Combien de fois par semaine? Koliko puta tjedno? Quel est votre sport préféré? Koji je vaš omiljeni sport? Est-ce que vous êtes un supporter, une supportrice d'un club? Jeste li navijač ili navijačica nekog kluba? Qui est votre sportif ou sportive préféré? Koji je vaš omiljeni sportaš ili sportašica? Pourquoi? Zašto? Par exemple, mon sportif préféré ou ma sportive préférée est parce que j'aime son style, sa technique, sa vitesse, sa vision de jeu, etc. Moj omiljeni sportaš ili moja omiljena sportašica je zato što volim njegov ili njezin stil, tehniku, brzinu, viziju igre itd. Maintenant, répondez aux questions et envoyez la photo de votre travail à votre prof. Sada odgovorite na pitanja u obliku sastava i podijelite rad s vašom učiteljicom. Možete pauzirati video snimku.
Chers élèves, maintenant réfléchissez sur votre progrès. Dragi učenici, sada razmislite o vašem napretku u ovoj lekciji. Je peux utiliser le vocabulaire des sports. Mogu koristiti vokabular o sportovima. Ili, je dois encore réviser. Moram još ponoviti. Merci et à bientôt!